Kiskeya, bienvenue dans le sixième et puis dernier paraît en journal pour ce maintenant. Comme d'habitude, nous c'est deux de Léorélus à Gabriel René dans Nicoyo pour présentation du journal là. Et c'est Hollandais Auguste qui est sous console là pour manœuvre technique. Bonsoir Hollandais, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dudley, bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde, bon week-end, bienvenue dans le dernier paraît journal pour ce maintenant. Mais quelques points n'a bien pour nous développer dans le journal Conseil présidentiel transition, choisi 5 parmi candidats qui étaient inscrits pour poste premier ministre là pour dernière phase processus désignation chef gouvernement. 5 candidats à eux, c'est Gary Conny, Paul-Antoine Bien-Aimé, Fritz Bélisère, Alix Didier Frisémé et Jean-Rodolphe Joisil qui prennent pour participer dans un débat public mardi 28 mai qui a venu là. Et c'est Youn Nan Yo qui prennent occuper poste premier ministre transition. Débat ça a fait avec 3 journalistes. Ancien ministre en justice, M. Pierre-Michel Brunage, qui était candidat pour poste là, dénoncé transparence, lui dit qu'il manquait dans le processus désignation premier ministre là. M. Michel Brunage parlait de absence communication au niveau conseil là, pendant le souligner débat qui prévoit fait avec 5 candidats pas nécessaire si même conseil présidentiel là déjà connaît qui moun y a bay poste premier ministre. Docteur Esther Aldouin Richard qui était candidat pour poste premier ministre là dit la continuer suivre processus là. Elle promet pour le protester si c'est un monde qui est corrompu ou bien si c'est un monde communauté internationale a imposé qui vient premier ministre. Directeur exécutif réseau national Cap Défendre Mounio, Pierre Espérance, dénoncé conseil présidentiel transition. Il dit qu'il n'a pas respecté à 3 avril à la tête RNDDH là, dénoncé une de observateurs. Il dit qu'il a joué le porte-parole et puis observateur à la fois. Pasteur Lenette Zéphir qui t'a baillé 10 ans sous premier mois conseil présidentiel. Si elle l'a gagné depuis l'installé 25 avril passé, a déclaré jusqu'à présent, conseiller par faire aucune action qui montre aucun contrôle l'État. Professeur Lemet Zéphir fait connaître tout, même conseil présidentiel là pour proposer aucune action non plus qui montre au capable de résoudre problème pays a, ni pour montrer volonté pour faire ça. Écrivain, militant Pierre-Michel Chéri, 68 l'année, même académique créole haïtien, mouri matin samedi à l'hôpital, l'étape souffri en bas maladie. C'est ça, tifré l'économiste Frédéric Gérald Chéri confirmé. Frédéric Gérald Chéri salue mémoire Fréli, lui présenté comme un gros informaticien qui t'a contribué à moderniser en pile entreprise en Haïti. Directeur l'hôpital sanatorium, non, docteur Esther Ardouin, Louis Charles, a déclaré situation cap développé dans Kanyo, qu'on déplacé, côté qui a pile monde qui trappe tuberculose, c'est un problème spécialiste déjà prévoit, parce que le rappelé maladie a toujours existé dans le pays. 25 mai 1957, 25 mai 2024, sale nouvelle nous, tout n'est sous éclatement la mea, répression qui était rivée, ça a gagné 67 l'année dans la bataille entre Palais National et Caserne des Salines, dans la grosse turbulence politique qui était gagné dans l'époque. Ça. Je dis à tout, fait 24 l'année depuis Roger Gaillard, historien, occupation américaine, est mort dans Port-au-Prince, 25 mai 2000. Dans l'actualité internationale, la plus passé sans monde, t'as perdu la vie dans un déboulonnaïté qui couvrit un village dans Papouasie-Nouvelle-Guinée d'après médias internationaux. La presse dans la zone a parlé de 300 morts, n'a gagné un bureau coordinateur résident des Nations Unies en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui déclarait by BBC équipe intervention urgence santé jusqu'à présent, rive ramasser 3 corps. Conseil sécurité Nations Unies a approuvé hier vendredi à 14 voix pour, 0 contre et puis la Russie fait abstention. Une résolution pour le condamner attaque qui était la cause en l'an plus passé 250 travailleurs humanitaires et personnel Nations Unies dans le territoire palestinien depuis le commencement de la guerre. Voilà, messieurs, dames, c'est point sérieux avec plusieurs autres qui pourraient faire essentiel journal là après-midi. Était branché à tourner pour détail. Conseil présidentiel transition a choisi 5 parmi candidats qui étaient inscrits pour poste premier ministre pour dernière phase processus désignation nouveau chef gouvernement. 5 candidats sérieux, c'est Gary Conny, Paul-Antoine Bien-Aimé, Fritz Bélisère, Alix Didier Fizimé et Jean-Rodolphe Joisil qui prennent pour participer dans un débat public mardi 28 mai qui a venu là. Et c'est un nom qui prend occuper poste premier ministre transition. Débat ça a fait avec 3 journalistes comme modérateurs.
ancien ministre de justice Pierre-Michel Brunache, qui était candidat pour poste premier ministre, a dénoncé manque de transparence, l'a dit, dans le processus de désignation premier ministre. Là. Dans l'interview, Libye Radio, qui est à journée samedi, M. Brunache a parlé de absence de communication bon côté conseil. Là. Pendant le souligner, débat qui prévoit fait avec 5 candidats n'est pas nécessaire. Simon, conseil présidentiel, l'a déjà connu. Kimon, il y a un poste premier ministre. Il souligne 5 personnalités qui ont veillé. Parmi eux, Didier Fizeme, qui a gagné expérience dans l'État. N'a pas côté, n'a micro Hervé Noël. Je même c'est, comme dire, accommodé, ok? Ou après, il y a qu'à discuter. Qui ministère a bon moi? Qui ministère a bon moi? Oui, qui parti a bon moi? Qui bon? Je pas totalement transparent en même temps. Et moi, pas de pouvoir pour me changer de décision. Donc, je m'oblige à soumettre à une décision qui prend. Et puis, m'espérer qu'il y a un choix d'un premier ministre qui est capable de servir le pays correctement et qui est capable d'aider au gouverner et sortir le pays à côté de lui. Selon même qui critère qui jetait où? Bon, je ne suis pas capable de critères parce que les critères n'ont pas prédéfini, pas gagné aucune transparence dans le processus. Donc, il a parlé de 68 inscrits, il a parlé de une shortlist de 13, ensuite de 13, je passais à 5, mais pas aucun moment dans le processus là que nous-mêmes candidats ou bien publicités qu'on est, ce qui base, il a été fait sélection. Donc, je ne vais pas répondre. Débat qui est annoncé, c'est un débat qui te prévoit, non? D'accord? Non, non, il n'y a pas de communication avec aucun candidat. Il n'y a pas de communication avec personne, pas de transparence. C'est juste que apprendre d'un côté. Mais même personnellement, la seule communication que je dégage avec Mme CPA, c'est bien avant même que je dépose la candidature. Je me demande si ça valait la peine parce que, d'une part, lorsque tu as une majorité de 4 qui est désignée, ingénieur Fritz Bélizer, et d'autre part, après le communiqué a sorti pour dépôt de candidature, c'est juste pour nous connaître si c'est un processus qui était ouvert ou bien si vous ça t'es fermé. Je te dis que c'est un processus qui est ouvert, donc moi t'es déposé. Parmi 5 mounions là, qui est-ce qui se prend ou pas de penser sur le tap là? Bon, je pense que c'est 5 haïtiens qui fait preuve dans nos vies précédentes déjà, dans la carrière, je ne pas penser que pas mérité là. Bien que il y a 4 qui ont expérience l'État, il y a une qui nouveau. Mais moi, je compte tous les 5. On parle de qui est-ce qui est nouveau? Bon, il y a un représentant secteur privé qui nouveau, qui n'a pas gagné expérience politique. Mais il se trouve que je connais depuis toujours, c'est-à-dire depuis 6 ans. Je connais monsieur, je connais que son rue de travailleur, mais qui n'a pas gagné expérience l'État. Premier ministre Gary Kony, bon, moi j'ai fait une expérience avec lui comme premier ministre pendant que j'étais ministre. On connaît que son haïtien qui est compétent et qui gagne une bonne vision pour Haïti. Sénateur Joisil, je connais le président et Sénat. Et il était aidé lorsque justement le Sénat était interpellé. Hein, donc, je connais que son homme de parole. Bon, deux mondes que je connais moins sûr, c'est l'ingénieur Fritz Bélizer. Et puis, bon, renommé pour l'entendre d'inimé, bon, et donc, je ne vais pas avoir un rapport personnel avec lui. Mais il y a un renommé, donc, un ministre intérieur qui n'a pas gagné une mauvaise réputation, même si il est bruit qu'il était toujours un passeport étranger. Donc, ça fait qu'il n'est pas de candidat à la présidence déjà. Mais comme critère, ça apparemment n'est pas retenu. C'est mon problème, donc que le meilleur gagne. Manque de transparence dans le choix. C'est que faut avoir une communication avec le public là. Faut avoir une conférence de presse qui baille par rapport à critères de choix. Qui est ces 68 personnes qui ont déposé pièce sur? Sur qui critère sélectionné le premier groupe de 13 ans? Et sur qui critère sélectionné le dernier groupe de 5 ans? D'après vous, ça quoi le fait, Nadia? On pense que son activité pour consommation médiatique, est-ce que son activité peut avoir une incidence vraiment sur le choix Mounia Bien pour désigner comme premier ministre? Et pour moi, c'est inutile, honnêtement, parce que nous avons eu urgence là, que j'ai l'impression que même CPT n'a pas rendu compte de l'urgence. C'est pas un débat qui parle qu'on est qui est meilleur candidat qui gagne. On moun gagne très éloquent, mais ça veut dire qu'on a une meilleure vision. Donc, moi, je pense que le processus a duré déjà trop longtemps. C'est un processus qui commençait depuis en mars.
qu'on y a là, nous n'en fait bon, les leurs pour les aboutir. Les leurs pour aboutir, pour gagner un premier ministre, pour former un gouvernement, et puis pour que la transition commence tout bon. Là, vraiment, le peuple a impatient, le pays a pas attendre encore. Il y a une urgence, extrême urgence, célérité dans l'urgence. Donc, moi, je pensais que si Mme CPT avait gagné une idée dans la tête depuis le départ, que yo mettez en action, yo pas besoin de faire tout et critère pas totalement transparent en même temps et moi pas d'être si malgré ça donc que choix fait parce que nous autres côté déclaration Pierre Michel Brunache yo nana monde qui était déposé pièce sur dans village d'accueil pour poste premier ministre là dit débat qui prévoit fait mardi a n'est pas nécessaire si conseiller déjà connaît qui est yo pral choisi pour poste premier ministre. Processus pour désigner un nouveau premier ministre n'a pas fait dans transparence d'après considération directeur exécutif réseau national Cap défend droit Mounio Pierre Espérance qui soulignait conseil présidentiel transition pas respecté accord 3 avril 2024 là dans une interview Libye Radio Kiskeya Jodian à la tête RNDDH il dénonçait une deux observateurs conseil Cap joué rôle porte-parole et observateur à la fois. Il déplorait violation à quoi côté ces 15 candidats qui étaient prévoit, il dénonçait absence de transparence dans le choix candidat, sans compter absence de communication avec leadership. En côté déclaration, directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, dans le micro Hervé Noël. Nous, RNDDH, nous ne pouvons pas comprendre le rôle et soi-disant et observateur qui savent observer et ils font des ordres et dans le conseil, une tentative coup d'État qui était faite 30 et avril 2024 là, sur accord 3 avril là, et côté que il était venu avec une majorité 4, plus et tout le premier ministre, et moun, des mouns qui observateurs, ils n'ont pas fait aucune autre sortie, en rien, pour dire, mais ça qui n'a accord, mais ça qui n'a et document qui réglementait le fonctionnement et conseil là. Donc moi, je ne toujours pas comprendre pour qui ça. Des observateurs qui m'ont donné, c'est des gens qui ne vont jamais prendre position sur aucun, sur rien dans le pays. Et c'est gain là d'autres qui ont dépassé douter. Mais voilà, parce que Haïti, c'est un choix et grand-papa, et qui est là pour être capable de se trouver là. Mais en même temps, je considère que c'est indécent. Les, par exemple, où jouent des gens qui dit que observateur ou pas même contrôle yo ou pas même que droit de vote et tantôt ou tant de porte-parole tantôt pas porte-parole vraiment son conseil et yo fait n'importe bagaille pas de leadership pas rien c'est pas un processus qui fait dans transparence et j'aimerais dire et pour question et quantité candidat pas de dépasser 15 maintenant et à quoi parler des débats de c'est bien qu'il faut que qu'on ait ça pour penser. Mais d'après, et pourquoi il faut regarder à quoi encore, mais si à quoi pas dit débat au public, il n'y a pas rien pour faire au public. Il y a toujours fait et débat et ouais, que des journalistes qui ont sélectionné, pensez que et c'est quand même des bons choix, c'est bien, mais il faut qu'ils respectent ça. Et à quoi dit, il faut qu'ils ne pas violer ni à quoi, et puis il faut qu'ils ne pas violer sa constitution en dit. Et dans le cas constitutionnel, c'est seulement les par exemple grand blocage et puis il y a des mesures exceptionnelles pour prendre, tout l'État pas bloqué et il y a pour prendre. Mais après ça, il faut qu'il y ait été plus proche constitution. Et c'est ça, et à quoi dit. À quoi pas sous tête constitution 1987 là. Maintenant, choix candidat, est-ce que vous gagnez l'idée de 5 mounes à yon, côté au passé au rivier là, ceux qui base au rivier là, qui sont choisis? Il n'y a pas 10 opinions publiques qui ça, par exemple. Ma bon exemple, sous pour un monde d'un coup Gérald Germain, qui sont économistes, c'est quand même qui passent des présentations. Et li pa, un vrai exemple ça, parce que je ne sais pas qui est monde, et qui quantité de monde, et pas qu'on est tout le monde. Mais quand il y a plusieurs autres tout, même pas qu'on est sous qui base, yo réduit à 5 mounes. Ça, je ne sais pas. Mais moi pense, gagner à 5 mounes, pour moi-même, ouais. Et son provocation, et pour moi-même, et penser qu'il n'y a pas de là par rapport à ce qui s'est passé. Et moi-même, vraiment, qui pas
violer ni accord, et puis il faut qu'il va violer sa constitution en dit. Et dans le cas constitution, c'est seulement les paysans qui ont blocage, et puis il y a des mesures exceptionnelles pour prendre, tout l'État pas bloqué, et il y a un pour prendre. Mais après ça, il faut qu'il y ait été plus proche constitution, et c'est ça, et à quoi dit. À quoi on passe sous tête constitution 1987 là. Maintenant, choix candidat, est-ce que vous gagnez l'idée de 5 mounes à yon, côté au passé au rivier là, ceux qui basent au rivier là, qui sont choisis? Il n'y a pas 10 opinions publiques là, qui ça, par exemple. Ma bon exemple. Pour poste premier ministre là, Lydie, il a continué à suivre le processus là. Il promet pour le protester si c'est un monde qui est corrompu ou bien un monde communauté internationale là, imposé, conseiller choisi comme premier ministre. Docteur Esther Ardouin-Louis Charles, qui c'est tout, directeur l'hôpital sanatorium, il fait connaître la situation qui a développé dans le camp hébergement, le camp déplacé. Côté que plusieurs monde qui trappent tuberculose, c'est un problème et spécialiste prévoit parce que tuberculose toujours dans le pays d'Haïti, maladie toujours là. N'a pas coûté dans micro et Hervé Noël. La tuberculose avec le VIH est très bien planifié. Donc, avait dit, mon Dieu, avec chapeau, pas facilement. Sauf si mon Dieu va bien, on l'a caillé encore. C'est normal, on n'a pas brûlé volontairement. Mais ce n'est pas ça. Il y a déjà gens qui sont déjà là pour aller. Ils ont des téléphones, mon Dieu, pour qu'on n'y a pas qu'un des. Même des téléphones, depuis nos cas, j'ai un téléphone, ils n'ont rien. Et puis, il y a visité, pour te déplacer autour. Il y a des gens qui ont visité autour pour voir, pour qu'on ait des cas qui pensez qu'à tuberculose, je ne vais pas bien, c'est pour l'autre côté où tu habites. C'est une ville qui est un côté pour mon aller. Et Delma 31, qu'on y a, c'est lui qui a une principale là, côté où mon a fait traitement. Mais toujours un problème. Parce que c'est naturel, mais quand on hospitalise le monde, c'est l'hospitalisation qui va être problème, parce que l'hôpital est difficile pour hospitaliser le monde. Parce que un seul monde, non salle commune, il va contaminer l'autre monde. Ce sont des difficultés. Ou si on n'a pas mis candidat, nous apprendre ces 5 candidats Kembe, nous projeter pour faire un débat entre 5 candidats. Première appréciation, première lecture par rapport avec 5 candidats qui tombent et puis même pas la donne. Et comment comprendre ça que le fait mardi? Eh bien bon, et comme normalement, c'est mon choix qui a fait, il va écrire un critère choix. Bon, et pour être arrivé à un certain moment, pour choisir et quelqu'un en définitive pour choisir au monde. Mais l'homme est candidat, moi, c'est comme un peu, et ça me dit, mais qu'il y a un temps par rapport à CPA, qu'on a dirigé ensemble. On a dit que c'est surtout l'insécurité et le combat et la lutte contre la corruption. Donc, c'est dommage, je ne parle pas de thème là-dedans, mais l'autre monde, donc, on comprend. Donc, on a regardé pour nous expliquer ce qu'il y a à faire pour choisir mon définitivement. Est-ce que c'est la communauté internationale et détermine un choix, c'est ça, nous avons protesté contre ça. Est-ce que c'est, il y a un monde qui gagne des dossiers comme ce sont déjà, ça encore, on a protesté contre ça, parce qu'il n'y a pas un monde qui était corrompu, il y a des dossiers solides, et puis on a pris un monde ça, pour être la première ministre. Nous avons un monde qui, vraiment, qui peut diriger primature là, à la firmer, ou bien ou l'autre monde, on connaît qui est propre, qui est honnête, qui a respecté l'intérêt général. Parmi ces candidats, qui est-ce qui surprend nous ou pensez que Patadou est là? Et non, pas rien, pas rien qui surprend moi, et puis tout, on connaît la situation, il y a ces rumeurs, donc on ne peut pas dire qui est surprend moi. Mais malgré ça, pas rien qui surprend moi, parce que on était là déjà, donc c'est, et non pas cas, nous ne pouvons pas dire rien concernant ça, parce que pour nous aller approfondir le CEO, pour nous voir qui moins, qui vraiment pas doué là, qui là, tout dit, prochainement, on a dit ça nous penser de monde qui là, ou bien monde qui choisit, on a dit ça nous penser de l'île, jamais, mais il a gagné de ce pas propre. Nous sommes côté intervention docteur Esther Ardouin Louis Charles, qui est un citoyen qui était déposé pièce pour poste premier ministre de transition. Et tout pasteur le maître Zéphir qui parlait sous processus pour choisir un premier ministre. Côté lui dit, il regrette le fait que membre conseil présidentiel n'a pas respecté le règlement qui a été mis pour faire choix premier ministre Cap Vini pour diriger le gouvernement transition.
Professeur Lemaitre Zéphir li estime situation ça c'est un mauvais signal. Li continue pour le dire, ça montre difficulté même conseil la gagné pour prendre décision en groupe. Pour lui-même, ça pral poser plus problème pi devant si ses comportements ça yo continue gagné surtout dans ça qui gagne à ouais à question élection qui donc li montre gros inquiétude sous efficacité équipe ça. En côté déclaration pasteur Lemaitre Zéphir qui t'a parlé dans micro d'Hydro parle. Concernant le choix Premier ministre, moi-même, je crois qu'il y a une façon qui est plus simple pour te faire ça. C'est pour te respecter le règlement eux-mêmes, ils te mettent pour être capable de faire le choix. Ils te disent qu'il y a pour recevoir 15 dossiers et dans 15 dossiers, il y a pour choisir un monde. Si ils te disent un critère, parce qu'ils te annoncé un seul critère, et bien c'est pour te appliquer les critères, les gens qui remplissent plus de critères, ils te kembel. Mais là, nous, ils te perdu du temps à analyser 200 dossiers, ils auraient tué jusqu'à 15, après ça, ils auraient tué jusqu'à 3. Donc ça montre vraiment qu'ils ont violé propres principes. Et dans le niveau, ça, dans l'État, au monde qui a un rôle premier plan, ça, ou pas capable de jouer avec règles, avec principes. Ça, ils te dit, il faut qu'on fasse. Ou pas capable de mettre les règles là, et puis après ça, ou pas respecter. Donc, on est là, ça capable de faire mon pensée, eh bien, il n'y a pas agi selon principe, selon règle, mais il a agi selon circonstances, selon qualité de monde qui vient joindre, qui est capable de faire mon pensée, c'est parce que, bon, peut-être mon yo vle à, pour diverses raisons, il n'y a pas joindre dans l'islam, même si conditions sont remplies, et il a joué jusqu'à ce qu'il joigne un monde qui fait le plaisir, parce que s'il y a critères, il faut qu'il respecte les critères. Ça sont très, très mauvais signal. Et puis, deuxième bagaille et tout, ça montre difficulté, il y a gagné, pour être capable de faire décision en groupe. Et si c'est comme ça, il va le passer. Tout reste 17 mois qui étaient pour faire élection. Et élection même de pour sécurité établie, pour l'État fonctionnel, pour gagner infrastructure qui réparer, pour gagner autorité de l'État qui restaurer dans le pays, pour institution capable de fonctionner normalement. Si pour une simple formalité administrative, ils ont perdu tout le temps ça, nous sommes accepter avec moi, ils ne sont pas capables de faire élection dans 17 mois. Ils ne sont pas capables de vraiment de contrôler le pays pour un environnement sûr, stable, pour tout le bagage marcher. Donc ça, ben nous, en pile inquiétude sur l'efficacité équipe ça, sur vraiment valeur, formule, ils ont été choisis pour mettre une gouvernance à la tête du pays. Donc moi-même, je regrette, je constate, prévision, en pile monde de fait. Parmi eux, moi-même, c'est ça qu'on a accompli là. C'est pas ça nous souhaiter pour le pays. Là. Mais nous, ouais, c'est dans ça nous y est. Et même la communauté internationale a commencé impatient. Et c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe pour le pays. Là.